Un crâne. Roya, il est pas beau Oh, comme ça? Roya, Roya, Roya. Sans faire exprès, j'ai tué son pote. Client servi. Oh mon. Ouais, alors sans faire exprès, j'ai tué son pote. Et là, il y avait tous ses potes qui Sa mère. descendaient là. Hein? Ils sont où? Bah là, ils tournent en voiture, là, ils cherchent. Ils cherchent quoi? Quelqu'un qui a tué leur pote. Que Non, je. dis-leur de venir ici, on va discuter s'il te plaît, Felipe. Que j'ai Ouais. laissé. Ouais, Felipe. Ah, va les appeler, Felipe, là! Il les appelle! Vas-y, appelez-les, venez à Barger! bord! Venez à Barger! Vas-y, Felipe, Ils va sont là, là, ils comme ça sont ils te là, ils voient. sont là, ils sont Ouais, là. va, Felipe, va, toi Waouh! aussi, là, Sa flemmard, va. mère! T'es Bonjour! vraiment un flemmard, Felipe, hein, héros de putain! Voilà, non, on avait Bonjour, messieurs, une petite comment allez-vous? discussion avec Felipe parce qu'il a insulté mon Sa cousin des mère! roues, des Oh, putains, des trucs comme ça. d'ailleurs, les gars, j'ai vu Comment? un mec d'entre vous qui était au Sa sol mère! là-bas, oh là là! Je crois que c'était un chinois, il l'avait tapé, je suis pas sûr. Hein. Il est où Hamid? Et Ben, il est où le problème qu'il y a eu avec Felipe? C'est quoi qui s'est passé? Alors, Un le gars de chez vous? problème, déjà, c'est que la semaine dernière, il me semble, non, il y a 3-4 jours, il est venu, il a tabassé tout ici, puis il a voulu faire passer un message, Voilà. comme quoi j'étais un fils des putes. Non, je l'ai pas Bon, je écrasé sais pas normal, il pourquoi, s'est mais arrêté. voilà. Et aujourd'hui, il C'est lui, il s'est vient, mis devant il traite mon moi, cousin des roues des putains. Et ça, je trouve pas ça drôle devant les wesh. Non, non! clients. C'est pas vrai! Voilà, tout simplement. Et Voilà. seigneur, vous êtes? Petit du Burger Shot. Et vous? Moi, c'est Memo. Mémo? Nemo, comme Nemo. le petit chien Nemo. là? Non, Nemo comme Memo le avec un poisson? M. Ah, Memo avec ah, un M. Memo, Memo, Mémo, Zama, c'est un Mémo. moyen Memo technique de D'accord. reconnaître Bah, son nom. j'aimerais savoir, Mémo, si vous êtes au courant du fait que vous êtes venu il y a quelques jours pour un peu saccager mon restaurant. Parce que c'est pas la première fois que les gens viennent. Moi, ça me casse les couilles. Il y a les Japonais, il y a les Italiens. Bah, Seigneur, c'est vous quoi savez, mes hommes, moi, je les envoie les faire de la plata, la façon dont ils la font, tant qu'ils me la ramènent, j'en ai rien à foutre. D'accord, mais quel est l'intérêt de saccager un restaurant et elle est où la plata là-dedans, s'il te plaît? Ah, Seigneur, tu crois que les enfants, ils mangent comment? Ils mangent comment quoi? Bah, ils Qu'est-ce qu'il mangent y a? Ils vont comment? manger quoi? C'est quoi Ils le vont manger truc? les murs? Les Romains qui sont venus ici, qu'est-ce que vous avez pris exactement? Non, moi, les seules fois où je suis venu, j'ai pris des menus Non, 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 Parce non, que non, nous, on non. n'est pas des putes J'ai des ici! employés qui ont porté plainte. Voilà, il y a des mecs qui sont venus Non, ambulatoire proclamer Memo! de la Mara. Je pense pas qu'il y a 1 milliard de Mara ici, on est Oh, mais d'accord. on est d'accord, Seigneur, D'accord. c'est à Voilà. 100% des hommes en moins. Voilà. Et donc, ils les ont insultés. Ils m'ont insulté, moi, de la même sorte. Philippe, aujourd'hui, il revient. Il traite mon cousin d'Irodiputa pour aucune raison. Donc, dis-moi, elle est où la plata là-dedans? Moi, je vois juste du manque de respect. Peut-être que tu vois du manque de respect. Après, comme il t'a dit, moi, Armando, quand ils sont venus, ils ont pris des burgers, des menus, etc. Les enfants, quand ils ont ramené les menus, tu aurais dû voir les sourires qu'ils avaient sur les lèvres. Ah, donc en fait, vous venez ici, vous commandez, vous me traitez de fils des putes, c'est ça? Vous êtes Ah, schizophrène ou comment ça se passe? Seigneur, regarde. Je Hier, crois que vous je viens savez d'en. pas à qui vous parlez, les gars, Non, vraiment. et alors? Le problème, il Non, n'est pas moi, là, je sais Seigneur. rien. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Vas-y, Oh. s'il te plaît. Mais moi, j'ai un autre problème aussi Le qu'on a mec, il rapporté est tout là à juste l'heure. pour foutre Apparemment, la dis-moi, vous êtes merde. venu dans mon barrio. Vous avez menacé un homme avec une AK-47 ou un truc comme ça? Alors moi, personnellement, j'ai pas menacé. Moi, je Oui, discutais. peut-être pas vous. Oui, d'accord. Alors Il y après, a. c'est vrai que ton gars, je sais Tu pas fais quoi, s'il est Tarasque? là Là ce tu fais soir. quoi de la Lui Tarasque? aussi a sorti une arme, on s'est senti menacé. Il y Va avait beaucoup là-bas. de monde autour de nous. Voilà, et peut-être qu'il s'est Bien senti sûr, insulté Seigneur. un peu. Mais après, justement, Va le fait de là-bas. sortir une AK-47 n'était peut-être pas nécessaire. Et tu vois, là, Là-bas. tu m'expliques que mes hommes sont venus t'insulter ici. Et c'est un manque de respect. Moi, Ouais. si tu viens dans mon quartier sortir des armes, je le prends aussi comme un manque de respect, tu Mais écoute, comprends? écoute, moi je suis dans mon restaurant, vous venez me casser les Sûr. couilles. Donc forcément je vais vous chercher. Tu vois ce que je veux Mais dire? je te conseille pas de venir me chercher dans mon quartier. Eh ben je te cherche où? À la CAF? Où ça? Ah, je sais pas, Seigneur, tu regardes là, on Quoi? s'est vu ici. On s'est vu, on discute. Ah mais Roya, vous passez jamais, on vous voit jamais, c'est un problème. Donc moi quand Apparemment, les gens me mes hommes cassent les sont venus couilles, tout à moi je vais l'heure. les chercher directement. Oui, mais Après c'est pas un vu manque de respect, au contraire. Oui, Je le veux que fait que ça cesse. tu. D'accord, le fait que tu viennes dans mon quartier, me dire, voilà, j'aimerais que ça cesse. J'aurais apprécié ce geste. Moi, le geste qui m'a déplu, Philippe, on a fait c'est. quoi? Oui, d'accord, Seigneur, d'accord. Mais moi, ce qui m'est. Discuter hier. Voilà, D'accord, mais merci. ce qui m'est revenu à l'oreille, Seigneur, c'est quoi? C'est qu'un de tes hommes, apparemment, a sorti une arme dans mon quartier. J'ai rien compris à l'histoire, les gars, c'est pour ça Ouais. que Et tu se veux que. sentir menacé, c'est normal? Mais Armando, là, je me sens menacé parce que tu me parles, je sors une arme devant toi? C'est pas le même contexte, frère. Mais le contexte est clairement le même. Je suis pas d'accord. Bon. Non. En fait, Explique-moi la moi, différence. Armano, ce qu'il essaie de dire, c'est que évite de sortir une arme dans notre carrière, dans notre quartier, Non, mais dans notre ça. barrio, Non, sinon mais il va se merci, faire tirer j'ai dessus. pas besoin de traducteur, quoi, j'ai C'est compris. mauvais pour lui. Non, mais Mauvais pour j'ai lui. compris. C'est pour De dire. 1, c'est pas moi qui l'ai fait. De 2, j'ai la personne depuis le faire. Donc le problème est Hein? réglé. Oui, mais alors, cette chose est simple. C'est comme si moi je te disais, ah ben c'est pas moi qui ai braqué ton truc, qui ai saccagé ton restaurant. Je vais lui dire de plus le faire, le problème est réglé aussi alors. Non, Et mais écoute, alors, écoute. Oui, mais écoute, attends, regarde, attends. on Non, peut mais faire ça. vous, c'est pas, vous, c'est pas pareil. Vous êtes les Maras. Nous, on est des restaurateurs. Ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi un restaurateur vient dans mon C'est pas le quartier même avec une contexte. arme à feu? Eh ben écoute, va lui poser la question, il est pas là ce soir. Ben, ramène-le-moi que je lui pose la Il est pas question là. alors. Eh C'est ben qui a voilà, fait voilà. ça? Bah C'est quel voilà, je passerai pas plus le restaurateur voir. qui a fait Eh ben ça, écoute, hein? c'est pas de souci. Regarde, Vous là êtes tu es au courant? intéressé par ce qui s'est passé ces derniers temps.
Moi, j'ai été offensé par ce qui s'est passé hier. Comme tu l'as dit, c'est un Tega qui l'a fait. Comme je te le dis, c'est un méga qui C'est l'a fait. qui? On peut dire 1-0, Ah, balle au centre, ah, 0-0, balle au Tobias, centre. la base. Et je sais même pas pourquoi j'ai demandé en fait. Bah, ça va, moi je voulais juste avoir une discussion. Voilà, au moins c'est que je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Je pense. Voilà, parfait. Bah, écoute, nickel. On viendra pas saccager ton restaurant. On viendra juste acheter nos petits menus, ramener aux enfants à manger, à boire. C'est bien. Voilà, tranquille. Bah, parfait. C'est bien. Voilà. Bon toutou. C'est exactement ce qu'on joue. Tu vois, par contre, le commentaire de ton hermano, ça par contre, tu vois, ça enlève l'égalité qu'il y a entre nous. Quel commentaire? Bon toutou. Ça va, c'est une boutade, vous voulez pas ça vous va. C'est pour ça, les gars, c'est la rue, ouais. C'est Seigneur, Seigneur. Il faut des boutades, c'est rien ou Seigneur comme des boutades. C'est rien, Seigneur, vous c'est abusez. Seigneur, comme tu dis, la rue, c'est moi. Toi, t'es restaurateur. La rue, c'est moi qui vais te l'expliquer si tu veux. Mais c'est pas comme ça, la rue. Ben vas-y, bah, donne-moi des leçons alors. Des leçons, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre, moi. Ne manque pas de respect aux personnes qui pourraient te faire du mal. Mais je t'ai dit. Apprends-moi. Apprends-moi. Mais je vous menace pas, vous, Seigneur. Oui, je vous menace pas, vous ne pas manquer de respect depuis tout à l'heure qu'on parle. Par contre, toi, Armando qui m'a dit bon toutou, crois-moi que son visage, il est retenu. C'est bien. Et que, tu vois, il force. Il force, toi, Armando. Donc, soit tu le calmes, ou soit ce qu'il vient de se écoute, dire, écoute, on va écoute, partir. Il vient d'arriver, il dit, ouais, il connaît pas encore la rue, c'est normal. Ah, il vient en France, c'est pas la même chose qu'ici, regarde, donc laisse-lui un petit peu de temps, et t'inquiète pas. Marche. Bah, écoute, dresse-le bien. Comme ça, tu en feras un bon toutou. Non, mais tu vois, tu vois, bah, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais aussi? Tu veux que je laisse la balle? Ça dépend, il y en a, ils sont pas du tout dressés, Roya. C'est vrai. Les chiens de la rue, ils sont pas dressés. Nous, on est des chiens de la rue, peut-être. Peut-être un chien de la casse, peut-être. Hein. Non, chien de la rue, il n'y a pas de casse ici, Roya. C'est pas pareil. C'est pareil, Armand. Du coup, il y a quoi? Il y a un partout, il y a 0-0, il y a 1-0, il y a bon, on s'embrasse ou? Il y a 0-0. Lavar, on demande Lavar. Demande Lavar. Ok, Lavar. Hop. C'est qui Lavar? Monsieur Mbappé est en hors-jeu, voilà, c'est dit. Bon, 0-0. Bon, bah, 0-0. Balle au centre. On part sur de bonnes bases. On viendra à votre restaurant acheter des burgers, des menus, etc. Et si vous devez me parler, vous venez à mon quartier, vous venez tranquillement. On discute, il n'y a pas de souci. Vous avez bien vu, je sais parler. Eh ben, exact. Ben, Roya, c'est exactement ce que je voulais, Roya. Ah, voilà, perfecto alors. C'est parfait. Les choses sont dites, c'est parfait. De quoi? Nickel. On fait pas de poisson. Écoutez, à San Luego, à la prochaine, alors, Seigneur. Bon, à la prochaine. Merci, les gars. Ce serait bien de prendre une Nemo, là. Ah, Nemo, ouais. C'est normal. Ah, attends. Au revoir. Philippe. Roya, je tiens à dire qu'il y a un mec de chez eux au sol en train d'agoniser pas loin. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, toi? C'est cool. Moi, je suis un marra sympa, moi, je m'en bats les couilles des embrouilles, moi, je suis un sympa. Ah, mais nous aussi, on est des mecs sympas. Mais je te jure, c'est que ça s'embrouille pour de la merde, moi. Mais non, Roya, c'est question de respect, on vient, on saccage mon restaurant, on me traite de fils de pute, moi et mon cousin, tu veux que je fasse quoi? C'est pas normal. C'est pas normal, t'en penses quoi, toi? Toi, t'en penses quoi? Non, non, tu viens, tu saccages mon restaurant, y'a pas de rigolade, Roya. C'est comme je viens dans ton quartier, je rafale tout le monde, tu vas prendre ça pour la rigolade. Après, moi, ce que je te propose. Attends. Je coupe 2 secondes radio. Vas-y, propose. Vas-y, propose. Attends, toi, on va dire t'es comme ça, tranquille, tu dis « Hey, rode des putas, va !» Oui, non, mais après, j'étais pas là pendant les embrouilles, je peux pas savoir. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez, vous nous payez pour l'assurance, on vous brûle votre burger shot, comme ça, vous touchez de l'argent. Ah, vas-y, sors. Comme ça, on touche l'assurance. Y'a pas d'assurance, croyez, c'est Rabbi l'assurance. Allez, va là-bas! Allez, Phil, je vais plus te voir ici. Oui, bon. Et regarde lui, il est trop musclé, lui. Oh lolo. Vous pensez l'autre, il est encore en train de mourir là-bas? Je peux pas avoir laissé. Non. Vous pensez? Oui, allez. Attends. Ouais, sous écouteur autoradio. Je vais voir si un mec est en train d'agoniser vite vas-y, fait. Vas-y, on va le voir. Les gars. Les gars, on l'a trouvé la weed qu'on doit donner là pendant les menus? T'as dit quoi? Les joints qu'on doit trouver, qu'on doit donner pendant les menus là, ils sont où? J'ai rien compris, Roya. Pendant les menus, on donne des joints au mec. Oui, les joints ils sont dans le stockage, Roya. Lequel? Celui qui t'ai montré, que je t'ai donné la clé et non, tout. Non, ça et va, tout, il est plus là. Le coffre. Là où il y avait Philippe là.
Ah, j'en ai pas vu dans le coffre, regarde. Mais regarde, il y en a plus d'une de... centaine, regarde. Ah, d'ailleurs, ah bah attends, je vais en mettre d'autres alors. Ah ouais. Putain, non, y'a personne, regarde. Regarde, y'a un Uzi dans le coffre, regarde. Y'a un Uzi dans le coffre, vas-y. Non, ça oublie. Okay. Ah, vas-y, vas-y, j'ai mis le parleur, Aïs. C'est pas pour toi, ça. Non, mais il faut le gratter si vous voulez. Vous pouvez comme ça, y'a pas. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai vu. C'est quoi l'histoire? En gros, on est en guerre avec les féministes, comme vous avez vu maintenant. La dernière fois, ça veut dire qu'on voulait, nous, on voulait les gifler, comme ça on est tranquille et après on peut faire la livraison gratuite. Enfin, tranquille. Là, ce soir, là bah, en fait, tous les soirs on les gifle. Mais là, mais le problème. Frère... Bah, je te laisse bien comme ref. Vous avez vu, les gars? J'ai rien vu, moi. Je les avais même pas vus. Il va quoi? Il va sur Seg. Ah, eh oh. Vas-y, du coup, tu redis 76, 80. 19. Alors attends. Ouais. C'est ça? Vu que j'ai une grosse mémoire. C'est moi. Oui. Il y a le voiture là qui bloque l'entrée. 76, 99, 18. Vas-y, j'arrive à l'enlever, viens. Merci beaucoup, monsieur. Il se fout de ma gueule, lui. Ah ouais, ça se voit, tu te fous pas trop de ma gueule. Non, regardez. Ah, oh. Vas-y, reste là, tranquille. Reste dans le coffre, t'inquiète. Non. De quoi? Dans le coffre? Bah oui, t'arrivais pas à passer, comment t'es passé là? Tu dois passer par le coffre. Eh bah oui. Vas-y, monte, mon pote. Vas-y. Dans le coffre, réfléchis. Oh putain, il fait noir. Ah, c'est le but, Roya, il fait noir, hein, dans les trucs comme ça, c'est normal, hein. Putain, je vois rien là. Hein? Je vois rien. Ah, c'est pas normal, tu vois rien. Oh là là. Là, Zama, tu vois rien de rien. Rien de rien. C'est bizarre. Ah bah ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Sinon, toi, ça va, Roya? Non, je vais pas faire le bâtard. Plus fort, je t'entends pas. Exorciste ce soir, c'est mort. J'ai dit exorciste, 5000 subs ou rien. Sur la tête d'homme. Non, je crois que c'est toi, Roya. Ouais, Roya. Ouais. T'es où? Je suis parti faire un petit cadeau à un pote qui est très gentil. Roya, tu vois ça, c'est du... tu commences à parler chinois, Roya. Et c'est quoi comme cadeau? Non, parce qu'il est avec moi, mon ami, il est avec moi. Vas-y, ramène-le pour voir. Bon, attends, il arrive là, on arrive. Une chochotte, laisse-moi tranquille. T'en fous, wesh. Vas-y, Roya, c'est bon. Ça va, c'est mignon, il est dans l'eau, ça va. Ça va, c'est mignon, il est dans l'eau. Cinq subs, t'as un haggar. J'ai juré que je voulais pas le regarder, je ne veux pas le regarder. Y'a quoi? Cinq subs, il croit que c'est Sardoche. M'en bats les couilles de Sardoche ou de l'autre là, t'es un ouf toi ou quoi? Eh, hey, me compare à personne. Je crois que c'est Sardoche, on a rien à foutre des autres. Là, ici, t'es chez Minos. On compare à personne, mon pote. T'es un bâtard. Voilà, frère. Je te paye. Voilà, c'est un ouf. Je te paye 2000 dollars. Il croit, c'est l'autre. J'en ai rien à foutre des autres. 2000 dollars pour que tu le fasses tour de la ville. Je l'ai toujours dit, mon gars. Minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans 2 minutes, Royan? La livraison. La livraison. 2 minutes. Kefta. Ouais, Royan. On a la livraison dans 3 minutes. Hein? On a la livraison dans 2 minutes. C'est bizarre, il y a 2 secondes tu m'as dit 3 minutes, et après tu m'as dit 2 minutes. Roya, tu veux pas faire un relooking extrême? Quoi? Tu veux pas faire un relooking extrême? Non, laisse-moi comme ça, je suis bien, Roya. Non mais c'est juste une question, oui. Non, mais je suis bien, Roya, tu vas pas me parler de relooking, Roya. Ça va, peut-être. Quoi? Non, mais avec tout le respect que j'ai pour vous. Roya, c'est qui Miss Los Santos? Dis voilà que t'es Miss Los Santos. Voilà, c'est moi le Miss Los Santos, Roya. Mais t'es comme ouvre les yeux. Mister comme Los Santos. Mais on t'es. C'est comme t'es comme que cran, on sait même pas à quoi tu ressembles, Roya, et t'es devenu Miss Los Santos. T'as payé. Ah, t'as payé. Roya, j'ai pas payé,
Regarde le flow, regarde. Rachid, j'ai trouvé une meuf, elle va traverser la ville. Croya, on est habillé pareil, mais j'ai trop de flow. Trenes, tu peux lui dire, s'il te plaît? De quoi? Mister Los Santos, s'il te plaît, il me croit pas. De quoi, Los Santos? Ah, Croya. Il ressemble à que Croya. Mister Los Santos serait en face de toi. Voilà. Oui. Oui, et Hamid, c'est le deuxième. Deuxième Mister Los Santos, Croya. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Vous les avez payés combien? Même pas, on a juste menacé. Mais on a juste menacé, c'est pas... Hamid, il est prêt Rice ou pas? Ouais, dans 2 minutes. Ok. 2 minutes Fils. Viens, ça va. La mule est pure. Vas-y, y'a Fils, il me demande si on va faire un bail ou ils font leur truc. Attends, dis-lui si il a récupéré ma voiture déjà. Dis-moi, t'as récupéré sa voiture ou pas? Mystérieux plutôt, comment ça attends, mystérieux? Je voilà, ça ira plus vite. Comment ça mystérieux? Désolé. C'est un peu là-dedans. Fils, t'as retrouvé ma voiture ou pas? Non, j'ai pas retrouvé, mais pourquoi? De toute façon, demain, il y a ton assurance, il va te la rembourser, non? Mec, il m'a dit pourquoi, on m'a volé ma voiture, il m'a dit pourquoi. T'es chelou, toi. Ok, mais elle bombarde la caisse, j'ai essayé de la suivre. Après on fait un bail, t'inquiète, on va montrer c'est quoi la vie, la vraie à mon cousin Rachid. C'est qui ton cousin Rachid Adati? Bah c'est Rachid Bounif. Rachidou, ça marche quelle heure? Une heure en dindron? Je sais pas, dans environ une demi-heure, un truc comme ça. Bah voilà, et bah on a un petit plan là avec mon chacal. Vas-y. Raccroche-moi, attends, j'enlève le haut-parleur, raccroche-moi. Wesh. Mais il arrête pas de taper les gens lui. Lui il a un vrai problème. Croya, t'es boxeur. La vie de moi il a un problème. Ouais, 4 on est 4. On est beaucoup hein, quand même. Hey. C'est énorme. Je te laisse gérer le plan. On te rappelle quand c'est bon, ok? Ouais, Rachid, allez, tu vas penser à un plan pour nous, croyant. Hein? 4 vite teintés, couchez-vous, ça va Rafale! Ça rafale! Oh putain, j'ai flippé! Les gars, vous êtes pas vifs, hein! J'ai plein de commentaires sur Marseille, croyant, j'ai flippé, voilà! Les gars, vous êtes pas vifs, hein, vraiment! Voilà, vous deux là, vous êtes morts déjà! Ah ouais, vous deux, vous êtes morts, les gars! Je vais lui donner un bandage! Ah bah, croyant, il y a des priorités dans la vie! Vas-y, go, on prend la mule, croyant, et puis on va avoir les balas, ça! Ramène la mule, croyant! Ouais, je suis en casse, comme ça! Viens là, go! S'il te plaît, Rachid! S'il te plaît, Rachid! Je t'ai trouvé une meuf, croyant. S'il te plaît, Rachid! S'il te plaît, Rachid! Elle m'a dit, oh mais non, mais non! Croyant, Kofta, tu te rappelles la meuf Daniela qui veut construire une mosquée qui vend de la coke? Oui! Oh, bah, ça s'appelle Fatiha en fait! Rachida! Fatiha, moi, elle m'a dit! Je l'ai revendue pour 40$, tu te rappelles? Oui! À une famille! À une famille! Non, t'inquiète, on parle de non, des claquettes. Non, c'était chez les familles, mais pas une famille. Oui, je me rappelle. Hamid, on bouge vers les balas. Comment ça, tu l'as vendu 40 balles? Dis quoi? Il doit m'envoyer une passe, il m'a dit. Ah, il doit t'envoyer l'exorciste. Une passe. Mais laissez-moi avec l'exorciste. On se met du côté des canaux de Vespucci. Wouah! Vas-y, bah au pire, viens, je vais d'abord aller retirer les 5000. Ah non, Kefta, t'as 5000 pour moi? S'il te plaît, Rachid. Elle m'a dit, oh merde. Hamid, t'as pas une voie de business? Le 4x4 ça fait 3 fois attends, il passe attends, il vient de me dire 21 000. Quoi 21 000? Non, attends, on avait signé pour 10 000, il commence pas. Non, c'est mort. Il essaie de gratter quoi? Soit 10k, soit ils te rend l'argent. S'il te plaît, mais non, c'est mon anniversaire. Non, pour les. Je râle plus tard tout le monde, vas-y, Chiboun. Nous on paye 21 000 pour une tonne? Ouais. Tellement? Bah écoute, c'est ce qu'il vient de dire, 21k. Vas-y, c'est bon pour moi. Il m'a dit, j'ai ta commande, mets les sous, c'est plus tard. Ah, je te jure, c'est de ouf, frère. Bon, vas-y. Tu me suis? S'il te plaît, mais non, c'est mon anniversaire. Vas-y. Et alors? Attends, je cherche la mallette. Je dois faire quoi? Bah, bon anniversaire. La gauche, je te suis, croyant. Ok. Rachid, après, on va te présenter parti un mec. Pour la transaction, hermano. Il s'appelle Fils. Attention la tête! Voilà. S'il te plaît, Rachid! S'il te plaît, Rachid! Elle m'a dit. Oh, mais non, on est dans 1,70 km. Ok, c'est bien pris. On te suit, regarde. Comment ça abuser? Moi, je dis Salem, on me banne. Les gens qui forcent, on les banne pas. Je le répète et je le redis, cette couleur des est dégueulasse. Des fois, ça joue à l'orthographe parisien sur ce chat. Hamid, voilà, t'as changé de bord, c'est quoi ça? Regarde. Pose pas de questions. Pour moi, c'est l'une des meilleures couleurs que j'ai pu voir. Ah bah, starfadla. Eh ben, t'es juste jaloux. On n'est pas sorti de l'auberge. Reste avec ton orange bizarre. Les gars, là, 300 kilos, 21 000 dollars, on devient des grossistes, sa mère. Mais j'ai l'impression d'être quelqu'un dans ce monde maintenant, tu vois. T'es quelqu'un, croyez, t'es quelqu'un. Tu vois là, c'est regarde les pecs, tu vois les pecs ou pas? Ah, je sens la muscule. Ça fait 3 semaines que je fais pas la muscule, j'ai la chair. Costume, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ça y est. Ah ouais.
J'arrête pas à me lever tôt. Mais après, ça va, j'ai perdu mes 12 kilos. On y est dans 500 mètres. De quoi ? 500 mètres, yallah. C'est à cause des femmes, t'as lâché à cause des femmes, à mon avis. Bah oui, mais maintenant que j'ai maigri, bizarrement, c'est trop bizarre, vas-y, bref. T'as vu ? Je suis pas là pour parler de ça. Ouais, mais Hayat. Ah, Hayat, sinon elle va me gronder, quoi. Elle va te boycotter. Ouais, elle va me dire s'il te plaît, Rachid. S'il te plaît, Rachid. S'il te plaît, Kofta. Montre-moi ton joli corps. Oui, incroyable. Namasté. C'est de quoi namasté? Putain, on plus. Dirait comme dans les films de gangsters. Ça veut dire quoi namasté? Ça veut dire quoi? Wouah. On dirait vraiment des gangsters, quoi. Putain, comme dans les films. Hey, yo, yo, yo. Ça va quoi, les mecs? Ah ouais. Tranquille. Tiens, ouais, tu peux voir le coffre et leur montrer la marchandise. Ouais, comme vous voyez, à tout là. Aïe. Oh, aïe. Putain. Parfait, donne la manette à qui? À moi-même, s'il te plaît. C'est combien? Aïe. Ah ouais, 21 000. C'est super. Ça respire bien. Ouais, c'est de la bonne. Ouais, ça se voit, c'est de la bonne. Ça se voit, c'est de la bonne. Je suis côté. Vous pouvez aider à les aider à décharger les frères. Et Allah, c'est parti dans la mule. Entraînez une vision de pompon. On regarde, c'est pas les keufs. Et crois, je l'ai pas vu. Je les ai tous grillés. Ça sent pas bon. Les gars, je crois qu'on est mort, je sais pas pourquoi. Je crois qu'on est mort. T'as dit quoi? Ça sent pas bon. Pourquoi? Je sais pas. Encore? T'as besoin d'aide? Pourquoi t'as dit pourquoi? Vous êtes satisfait de la cam pas. Ou pas? Ouais, de fou, ouais, de fou. Pourquoi Roya? Okay, ils ont pas goûté encore, moi. Hein. Roya, il y avait 5 mecs cachés là-bas et un camion qui tourne derrière depuis tout à l'heure. Les mecs, ils s'étaient habillés comment? En bas là. Mais là-bas, il y avait un camion qui tourne depuis tout à l'heure. Tant tes mains, il y a un chien. On va pas faire ça que pour 300. Bah, c'est bon pour nous, hein. Ouais, bah c'est bon pour nous, c'est parfait. C'est parfait. Bonne soirée, au revoir, monsieur. Vas-y, revenez sur pause, on y va. Ouais, c'est bah belle, vas-y, on se casse, on y va, vite, 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 vite. On y va là, vite. Bah, allez, bonne journée. Ouais, toi aussi, du coup. Non, ouais, c'est sécurisé, t'inquiète. Ouais, mais c'était bizarre parce que vraiment derrière, il y avait vraiment 4-5 mecs cachés là-bas. Et oui, mais c'était pas là, si on avait que Et il y a un camion là-bas qui se cache, je sais pas, on fait croyant. Il surveille, je pense, croyant. Il surveille, croyant, à mon avis. Il est où, Ahmed? Il est parti, il a bougé, croyant. Ok. Il est parti avec la mule. Du coup, on va où là? On va au niveau du stockage, là où on a pris à côté du Burger Shot. Ok, d'accord. On va déposer la cam, Roya. Là, Zaman, on devient des vrais bandits, quoi. Les gars, et vous connaissez pas un mec qui vend une machine pour transformer ça en joint? Négatif. Je vais essayer d'en trouver une. Vas-y, si t'en as, moi je t'ai dit, hein, j'ai à peu près. Ouais, 800. J'en ai 800. Sinon, ça, on le vend nous-mêmes, hein. Ah, quoi? Ok. Bah ouais. On va se faire attraper. Mais n'importe quoi, Roya. Ou sinon on dit à des petits de le vendre. On chope des mecs, on leur dit de le vendre pour nous. Roya, est-ce que le patron du Burger Shot qui vend des joints... En vrai, passe devant. C'est bizarre quand même, non? Pourquoi? Roya, l'argent, c'est l'argent. Oui, non mais oui. Roya, tu sais, ils sont venus saccager mon restaurant je sais pas combien de fois, bah, je dois payer les oui, dégâts mais et tout. Ouais. Regarde. Maldiche l'assurance, maldiche. Regarde, on va dire. Non mais c'est pas moi qui vais vendre, Roya, je t'ai dit, je vais donner à des gens à vendre. Ah ouais, voilà. Bah oui, non, je vais pas descendre dans la rue, Roya. C'est que toi t'allais descendre dans la rue. C'est fou, quoi. En fait, il faut qu'on se trouve une petite équipe qui descend dans la rue. C'est ça, tu sais, les fils, c'est tout, y'a moyen à mon avis, hein. Ouais. Eh, Hamid, fils, il est pas chaud pour vendre pour nous, hein. Pas du tout. Quoi? Je vais t'expliquer, lui aussi, il avait ouvert un four. Mais ouais. Ça a pas jamais fonctionné. Roya, je crois qu'il allait me dire un truc de fou. Ah, lui aussi, il a voulu ouvrir un four. Ça a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné.
Ça a duré combien de temps son four? Moins de 24 heures. Ouais, c'est un micro. Ah ouais, ouais, ah ouais, ah ouais. Ça grippe pas. Pourquoi ils klaxonnent? Parce que c'est leur quartier de merde. Et alors? Bah, Zama, ils veulent se faire Zama entendre. Zama, c'est nous. Merci Katon, merci Katon. C'est des japonais, frère, tu les connais. Bon, là, y'a plus de respect non, maintenant. Non, ça attend, mon gars. On dirait pas, je vais faire un vrai kagebon. Ah, mais du coup, t'as même pas parlé pour la meuf. Ouais, non, non, ils étaient pressés. Mais du coup, attends, je vais peut-être faire un tour. On sait jamais si on est suivi, non? Mais non, Roya, viens, y'a personne, viens. Laisse passer les Kefta au pire. C'est ici qu'on les met? Ça passe pas, ça passe pas. Bah oui, ça passe pas, Roya. Mais tu crois vraiment qu'il y a un client qui va passer le cul de mur? Il va te dire, chef, mets-moi tout. Je croyais que t'avais un moustique. Mais non, il s'appelle Katon. Non, il s'appelle Katon. Comme le truc de. Mets-moi tout, chef. Ninja de Konoha. C'est dire quoi Katon en japonais? Y'en a, il parle japonais, c'est dire quoi Katon? Vas-y, tu peux nous aider, Roya? T'en prends 30 sur toi à peu près? Vas-y. Merci, Roya. C'est dire quoi Katon? Y'en a, ils ont la réponse ou pas? Ok, c'est parti. Attends, je vous ouvre la porte, ça sera plus simple. Comment on les prend là? Ouais, elle est où là? Je vois pas la porte d'entrée. Là, Roya, là, ici, là où je suis. Non, ça oui, mais le coffre. Ah, pareil, je vois plus le bouton, Roya. Je vois pas. Je vois pas le bouton. Faut monter. Montez. Mais même pas, Roya, j'ai pas le bouton. Moi je l'ai, viens. Ah Roya, ah, c'est là, 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 là. Mets-toi un peu sur la gauche. Ah ouais, tu es vraiment. Bah, faites-le, vas-y, faites-le prendre. Pour... Moi j'arrive pas, Roya. Moi j'arrive pas. Khanet, faut que tu nous. Ah ouais, non, c'est bon. Ah attends, je l'avais. Ah, là, je l'ai. Katon, ça veut dire libération du feu. Ah. Ouais. Bon, vas-y. Bien vu, ouais. Ça veut dire feu de bois. Ah Katon, ça veut pas dire feu. Vas-y, Saeba, toi qui parles japonais, là. Vas-y, maintenant, vas-y. Vas-y. Toi qui fais la japonaise toute l'année là, c'est le moment de briller. Ça veut dire quoi Katon? En gros, la boule de feu. Mais il le traduit bien dans Naruto. Ah oui, en fait, t'as regardé les traductions. Ok, Murut Keftal, c'est roi de la ville. Et tout le monde va contre femme, mais les... Ça fragilise. Katon, c'est pas dans Naruto. Mais si, c'est dans Naruto, Katon. C'est dans Naruto, wesh. Même il fait comme ça. Katon, Kakebunen Jutsu. Tu connais pas? Ça va, Rachid? Ça va, ça va. C'est à bug. Ah ouais? Moi, c'est bug pas. Moi, c'est à bug, moi, quand j'ai pris putain. Ah, c'est bizarre. Vous voulez pas que je les jette à terre? Tenez, prenez-les. Ils sont là. Ouais, vas-y, vas-y. Wow, bah ouais. V'là les sacs. Vas-y, donne à mon tour. Ouais, faites comme ça, c'est plus rapide. Ouais, ouais, bah ouais. Ça. Hop là. Tiens, je t'ai donné, regarde. Ah, merci. Hop là, faut moi je les jette au moins comme ça. Bim. Ça se voit, t'as travaillé à l'usine, toi. T'as capté. Mets 30 direct. Je peux pas. Ah, tu peux pas. Oh, Royan, t'as pas dit de consommer? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais les gars, on devrait pas changer les étiquettes dans les pochettes. C'est ce qu'on va faire, Royan, c'est ce qu'on va faire. Ok. A chaque fois qu'on prend, Royan, on change l'étiquette petit à petit, tu vois. Oh, on fait la reine hésite, Royan. Ouais, j'ai vu, j'en ai fait. J'ai vu, j'ai changé l'étiquette au magasin. Non, ça va, y'a plus rien, il reste juste à terre et c'est bon. Ok. Parfait. Ça marche, nickel. Putain, on est vraiment une bonne équipe. Combien ça coûte ça? Ça, j'en ai.